avec les réalités de l'autisme, Micheline, dans sa fragilité, a trouvé la force dans les yeux de son fils Evra, autiste, pour porter aux yeux du monde, via la littérature, le calvaire des parents. Ce livre, vraiment, va sonner comme un plaidoyer auprès des pouvoirs publics, mais en plus, une sensibilisation de la communauté et une thérapie pour ces parents-là. Une thérapie qui marche pour ce parent. La lecture de l'ouvrage lui rappelle un passé douloureux, parfois incompris. On a le regard du public qui considère que ce sont les enfants sorciers, que les parents les ont vendus pour avoir les postes, etc. Un certain nombre de choses. Ça, moi, j'ai même dû voyager, aller en France. Un ami m'a invité voir les enfants autistes, comment s'occuper d'eux dans son école en France. Pour être persuadé, pour être convaincu que mon enfant n'était pas victime d'un problème de sorcellerie, que même les blancs avec ce genre d'enfant là-bas. L'autisme au quotidien, vécu des parents d'enfants autistes au Cameroun, ouvrage dédicacé le 13 septembre 2024 à Yaoundé. L'auteur, parent d'autiste, interpelle la société. Je voudrais que le regard change. Qu'il y ait une attention particulière qui soit portée pour la prise en charge des enfants autistes et vraiment qu'il y ait une création d'un environnement favorable pour les parents, pour les familles. Doléance prise en compte par le représentant du ministre de la Santé publique qui préside cette cérémonie, il est par ailleurs préfacier du livre. Il va falloir faire une prise en charge rationnelle. Au travers de quoi? Est-ce que ce sera un programme? De toutes les façons, nous sommes d'accord que le point de départ, c'est de faire une analyse situationnelle et de faire un plan stratégique de prise en charge de l'autisme, mais pas que l'autisme, de toutes ces maladies orphelines, pour faire un petit groupé, pas que l'autisme. Et une fois qu'on a ça, on mettra sur la table du ministre qui décidera de comment opérationnaliser cette obligation de garantir rationnelle la prise en charge de la lutte contre l'autisme. Un récit de 150 pages, 5 chapitres publiés aux éditions Monange. L'auteur, médecin de santé publique, contribue ainsi à une prise de conscience collective sur la nécessité d'offrir aux enfants autistes de quoi vivre heureux.